Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va monter ensemble le numéro 41 de Starkey Hutch. Je vais vous montrer tout de suite le fascicule. Hop. Donc voici les pièces du numéro 41. Hop, je vais vous le montrer tout de suite. Hop, le voici. Donc, c'est la suite et fin du réservoir à carburant, donc partie 3. Hop, voilà. On met ça pour l'instant. Le prochain numéro, donc ça sera la quatrième et dernière pièce de la jante de la roue arrière droite. Hop, voilà. Le montage. Ah, ici, donc le montage. Ça va être assez facile, hein. Et enfin, on va monter du tout sur la voiture. Hop, c'est donc la partie finale. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. Le montage. Bien, on va prendre donc cette pièce. Hop. Oula. Et cette pièce-là. On va mettre ça. Alors, les vis. On va sortir les vis maintenant. Il faut la vis LP. Voilà. Hop, on va sortir ça tout de suite. Voilà. Hop. Alors, vous prenez donc cette plaque et cette pièce. Vous avez vu là, il y a un petit cran. Il y a un petit cran juste ici et juste là. Vous mettez ça simplement comme ceci. Voilà. Et vous fixez, vous mettez une vis. Hop. Voilà, juste là. Alors, je sais pas comment. Comment je vais faire pour attendez, hop. Ça, on va prendre ça, hop. Attendez, je vous montre. Le truc il ne s'emboîte pas dedans. Donc c'est ça un peu. Hop, ouais, il est dedans. Donc, on lit tout ça. Il ne va pas s'empoter en fait dedans. Ah oui, si je mets pas mon trou, ça va pas le faire. Hop, et vous fixez ça. Hop, voilà. Voilà. Dans le travail. Hop. Ensuite, on va prendre donc cet accessoire qu'on avait monté dans le niveau précédent. Hop. Vous mettez, vous prenez le câble là, pour le mettre dans le trou. Hop. Comme ceci. Putain, hein, vous le retournez. Hein. Hop. Comme ça. Et là, il y a hop, des trous ici, hein, des quatre côtés.
pour mettre, pour fixer tout ça. Hop, comme ça. Hop, ensuite, vous mettez 4 vis HP. Et la dernière. Et voilà. Voilà donc le résultat. Hop, on met ça sur le côté. Des vis hop, ici. Ensuite, hop, vous prenez donc la voiture. Hop, on va mettre ça là. Puis c'est un tout petit bureau, j'ai pas assez de place pour tout ça. Hop, on prend la voiture. Hop. Ensuite, vous prenez la plaque qui est fournie avec la dernière 41. Hop, cette plaque là. Hop, et vous mettez cette plaque juste en dessous et vous la mettez donc. Faut que je fasse pas d'erreur. Ouais, comme ça. Au niveau comme ça, mais en dessous, hein. Hop, juste ici, hop, comme ça, voilà, ça, pas d'erreur, c'est bien ça, hop, et vous mettez donc 4 vis, 4, je vois pas clair, 4 vis, MP. C'est MP. Ah, j'ai cru que c'était les HP, mais non, ça c'est MP. D'accord. Bon. Alors déjà, on va retourner la voiture. Hop. Hop. Voilà. Et on va mettre donc les vis. Et on met tout. Mais non. Non. Je sais pas pourquoi il me fait une erreur. Désolé. Non, laisse la voiture droite. Excusez-moi. Hop, j'ai sauté une étape. C'est pour ça. Voilà. Et donc, on met une vis là, là, là et là. Avec donc 4 vis MP.
On met deuxième. Hop. Pas encadré là-dedans. Voilà. Hop. Une troisième. Hop, et la dernière. Voilà, désolé pour la vidéo. Pas pour la caméra. Et voilà. Hop. Attendez, je vais replacer la caméra. Hop, voilà. Voilà pour ça. Ensuite, donc ça c'est bon. Ensuite. Vous reprenez donc l'appareil, la boîte qu'on a montée tout à l'heure. Hop, juste avant, vous retournez donc la voiture. Là, on la retourne. Hop, là, on la voit bien. Hop, vous prenez donc cette boîte. Hop. Et vous la mettez donc, vous reprenez donc, n'oubliez pas le câble. Et hop, on la met donc, comme ceci, hop, comme ça. Là, le cul est là. Bah, le cul, je me comprends. Où il a placé le retroviseur, n'importe quoi. La boîte carburant. Et là, donc, vous placez dans le trou là-dedans, et hop. Là, vous voyez, il y a 4 trous, vous les emboîtez, vous les trous là. Vous les... Voilà, comme ça. Tout simplement. Hop. Voilà. Ensuite, vous retournez donc la voiture. Hop. Voilà. Et vous fixez, vous mettez, vous fixez. Ici, 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 4 vis donc HP.
Hop, et la dernière. Et voilà le travail. Donc voilà pour le montage numéro 41 de la K2000, de la StarQS, pardon. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors, je suis désolé pour le cadrage de la vidéo. Puis, voilà, elle sera un peu, elle sera à travers au moment dans les 10 dernières minutes. Donc désolé. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc à très vite et la prochaine vidéo, ça sera donc le numéro 4 de la maison du poupée. Voilà, merci d'avoir suivi et à très vite. Salut!